En entrepreneuriat, il n'y a pas d'amitié, il y a des partenaires. C'est comme des États. Les États ne sont pas amis. Il n'y a pas d'amitié entre des États, mais il y a des intérêts. Donc, il faut comprendre que en entrepreneuriat, c'est un monde de gros poissons et de petits poissons. Il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez, parce que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais au niveau underground, il y a pas mal, d'accord, de mœurs qui, si vous la preniez de manière directe, comment dirais-je, flagrante, vous allez être déçu. Au fait, pourquoi je dis cela? Il y a quelques jours, j'étais en communication avec un de mes étudiants qui se plaignait d'une chose très particulière. Je vous raconte l'anecdote. Alors, il m'a dit, mais au fait, Nick, j'ai remarqué une chose. Pas mal des personnes avec qui je suis en communication, en contact, quand j'organise quelque chose, quand je partage des liens, etc., ils ne repartagent pas, ils ne like pas peut-être. Genre, ils le regardent juste simplement sans donner suite. Il y a d'autres, ils vont juste te dire bon courage, c'est bien, etc. Et ça s'arrête là. Que pourquoi les gens se comportent comme ça? Que normalement, est-ce que c'est de la jalousie ou c'est de l'ignorance? Je vais te répondre très simplement. En entrepreneuriat, il y a des gros requins et des petits requins ou les petits poissons. Tu dois être prêt à recevoir une gifle et toi, tu dois répondre par un coup de poing. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est un secteur tellement tranchant. Nombreux sont les personnes qui te feront croire que c'est un monde de bisounours où tout est rose, où tout est beau, où tout est bien. C'est pas le cas. Surtout au niveau de l'anecdote, dans le cas où il y a des personnes qui ne partagent pas tes affiches, tes annonces, c'est normal. Pourquoi veux-tu te fatiguer, d'accord, à vouloir leur forcer à faire une chose qu'ils ne veulent pas faire? Pourquoi aujourd'hui, moi, je me plains plus? Comme le dit un de mes mentors, Jeff Bezos, il dit « Se plaindre n'est pas la meilleure stratégie quand tu te lances en business. Tu dois évoluer avec ce que tu trouves, ce qu'il y a. » Day one. Donc aujourd'hui, en entrepreneuriat, s'il y a des personnes qui ne partagent pas ton contenu, il y a des personnes, quand tu partages des liens ou des affiches, ils ne retweetent pas. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il y a un outil puissant qui te permettra de faire tout ce que tu veux. Les outils, au fait, les outils existent. D'accord? Quand tu suis, par exemple, ma formation Community Manager, j'ai tout expliqué, étape par étape, les détails, les outils. Et aussi en marketing digital. C'est-à-dire que tu n'auras plus vraiment besoin de tierces. La seule chose dont tu auras besoin, c'est une bonne connaissance au niveau donc, des outils et aussi un budget qui te permettra de faire de la publicité pour toucher les potentiels clients, c'est-à-dire ton persona ou les clients vraiment idéaux. D'accord? C'est très important parce qu'aujourd'hui, je suis passé par là. Je me suis plaint que oui, celui-là et moi, nous sommes partenaires, mais voilà, ils ne partagent pas, etc. Mais après, quand j'ai regardé une des vidéos de Jeff Bezos, et ça m'a tellement marqué, la phrase qu'il a dit, en entrepreneuriat ou en business, les plaintes ne sont pas les meilleures stratégies. Tu dois t'adapter à ce que tu trouves et évoluer avec. Donc aujourd'hui, cesse de te plaindre. Si tu fais des événements, personne ne partage, ne te plains pas, apprends et demande-toi ou pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier au fait donc à ce défi, à ce challenge? Parce qu'un entrepreneur, c'est ça son boulot. Faire face à des challenges, trouver des solutions à des problèmes. Donc aujourd'hui, je t'invite à suivre ma formation. Excusez-moi, il y a un peu de bruit là. Il y a un chantier, je vais me déplacer. Voilà. Donc je disais, aujourd'hui, il y a une formation que j'ai créée que tu peux suivre. Elle dure 25 heures. Donc, publicité Facebook, community manager, marketing digital,
ces trois compétences sont réunies dans une seule formation qui dure 25 heures. Et après cette formation, si tu me dis aujourd'hui encore que tu as du mal à trouver un client idéal, c'est-à-dire que vraiment, reviens vers moi. Je te donnerai encore d'autres techniques encore plus poussées pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, la morale de l'histoire, ne te plains pas. Adapte-toi aux réalités. Apprends de ce que tu vois. Cela te forgera un mental d'acier. D'accord? Et n'oublie pas, en entrepreneuriat, il n'y a pas d'amitié. Il y a des partenariats. C'est-à-dire que chaque camp a des intérêts. Même si cela est dissimulé, cela n'est pas visible. Il faut comprendre cela, qu'en entrepreneuriat, il y a des partenariats. Comme les États, il n'y a pas d'amitié entre les États, il y a des intérêts entre les États. D'accord? Alors, ceci étant dit, moi je te souhaite un excellent succès. Avec moi ou sans moi? Otep. Blessed.